Radio Balzac. Bonjour à tous et bienvenue à l'émission L'info des Balzaciens. L'info sous tous les fronts. Nous sommes Khaled et Alia, vos animateurs pour ce temps de divertissement et d'information. Nous sommes des élèves de la classe média 3e du collège Honoré de Balzac à Kenitra, petite ville au nord de Rabat, la capitale du Maroc. Actuellement, nous sommes en direct du lycée Descartes et il est 13h20. Mais dis-moi Khaled, nos auditeurs sont-ils au courant de ce qu'est la classe média? Il faudrait leur expliquer plus en détail. Eh bien oui Alia. La classe média est une matière optionnelle qui permet aux élèves de s'initier aux médias et à l'information et de s'ouvrir à l'actualité et au monde de la communication. Plusieurs d'entre nous l'ont également choisi dans le but d'améliorer notre communication à l'oral. Nous vous en donnons la preuve aujourd'hui. Elle a aussi pour but de comprendre les différents traitements médiatiques et d'apprendre à identifier les différentes sources. Et comme il s'agit d'une pédagogie de projet, nous développons aussi notre capacité à produire des contenus audio et vidéo. Alia, peux-tu présenter à nos chers auditeurs ce qui les attend dans cette émission? Bien sûr, alors l'objectif de cette émission est de vous informer sur deux sujets importants. Tout d'abord, nous allons vous présenter certains des projets que nous avons réalisés depuis le début de l'année dans cette classe média. Ensuite, dans la seconde partie de notre émission, nous allons nous adresser plus spécifiquement aux élèves de 3e. Nous allons les informer sur ce qui les attend en seconde et plus tard, en leur faisant découvrir le devenir des Balzaciens à travers d'enquêtes, d'interviews et de micro-trottoirs des anciens collégiens de notre établissement. Alors, restez à l'écoute de l'info des Balzaciens pour en savoir plus sur ces deux sujets passionnants. Et maintenant, commençons sans plus attendre par notre tout premier projet de l'année. Au secours d'un roi, Anas Louisa, c'est à vous. Et maintenant, pour notre tout premier projet, nous nous sommes dit qu'il serait intéressant de rebondir sur l'événement qui envahissait l'actualité internationale. La mort tragique de l'immortelle reine Elisabeth II. Mais sur quel angle aborder ce vaste sujet? De manière traditionnelle et sérieuse, ou comme les réseaux sociaux tels TikTok, avec le bon vieux humour noir? Et qu'est-ce qui n'aurait pas déjà été dit sur notre reine préférée? Alors, nous nous sommes rappelés de ces fameuses images de notre vieil ami Charles III, de ses doigts à l'allure de carotte, de ses oreilles majestueuses, ou même de la polémique autour de Lady Diana. Cet impossible défi de restaurer l'épouvantable image du roi Charles III pour lui rendre son honneur et le respect dû à sa fonction. Il avait besoin d'un comité manager. Nous avons alors joué le rôle de journaliste pour en informer le public, puis celui des candidats qui ont postulé pour cette fausse demande d'emploi. Grâce à ce projet original, nous avons appris comment les journalistes arrivent à filtrer les informations et leur importance dans la royauté et dans notre vie de tous les jours. Nous avons aussi découvert le rôle d'un community manager, les études nécessaires et l'importance du métier dans les réseaux sociaux. Nous avons aussi réussi à améliorer notre oralité grâce à nos professeurs, Madame A et Madame G. Mais des exemples valent mieux que des paroles. Donc, je vous propose quelques extraits pour vous permettre de mieux visualiser ce projet. Good morning, ladies and gentlemen. Great news today at Buckingham Palace. Les premiers discours sont alors prononcés à la radio. Mais l'intrusion de la presse dans la famille royale causa aussi bien des bouleversements. Ainsi, le roi Charles est de plus en plus moqué sur les réseaux sociaux. En effet, la situation est grave, mais n'y a-t-il pas une solution? Eh bien si. Le roi Charles III suit les pas de sa mère en cherchant lui aussi un community manager. Le roi est menacé par le danger des réseaux sociaux, et si vous souhaitez être le nouveau super community manager... Plusieurs candidatures nous sont déjà parvenues. Bonjour, je m'appelle Jonathan Anderson. Je me présente avec mon associé pour le poste de community manager. Donc de notre devoir d'informer le monde de l'actualité royale. Instagram et TikTok, postez deux vidéos voire plus par semaine qui parlent par exemple de l'actualité de votre royaume. Qui nous permettrait de cibler différentes personnes en fonction du réseau social choisi. Je m'assurerai d'animer votre communauté sur tous les réseaux. Embauchez-moi. Je serai à l'écoute de votre communauté. Go save the king! Merci à Anas et Louisa pour ce contenu captivant et qui ne manque pas d'humour. C'est vrai que nous avons tous pris beaucoup de plaisir à réaliser ce projet. Et toujours au cœur de l'actualité de cette fin 2022, enchaînant sans plus attendre avec une revue de presse internationale très spéciale et chère à nos cœurs. Jade et Ziyed, vous pouvez commencer. Bonjour, je suis Ziyed et aujourd'hui, je suis en compagnie de mon collègue Jade. En effet, pour le second projet de l'année, nous avons dû réaliser une revue de presse radiophonique. Et là, nous avons eu la chance de vivre un moment incroyable. Mais dis-moi, Jade, nos spectateurs sont-ils au courant? Il faudrait peut-être leur parler plus en détail.
Eh bien oui, Zied. Une revue de presse consiste à présenter et comparer le traitement d'un même événement par plusieurs médias. Et en cette fin d'année 2022, l'actualité n'aurait pas pu être plus motivante pour nous. En effet, par pure coïncidence, on a pu travailler sur l'événement qui s'avère être le plus marquant de l'année 2022. Du moins pour les Marocains. Vous voyez où nous voulons venir, les Portugais, les Espagnols ? Et oui, il s'agit bien de l'ascension formidable des Lions de l'Atlas du Maroc durant l'incroyable Coupe du Monde de football au Qatar, qui a été d'ailleurs remportée par les Argentins. Ces derniers étaient aux anges le jour de leur victoire, tout comme les Marocains durant cet événement historique. Dans nos cœurs, ce n'est pas Martinez qui a gagné le Gant d'Or, mais Yacine Bounou. Ce n'est pas Messi qui a gagné le Ballon d'Or, mais Achraf Hakimi. Ce n'est pas l'Argentine qui a gagné la Coupe du Monde, mais le Maroc. N'importe. Tout au long de la compétition, les yeux du monde entier étaient braqués sur nous. Nourion Lies, notre pays a l'honneur de la presse internationale. Écoutez un peu ce que ça donne. D'après l'agence de presse RMC Sport, aussi fou que cela puisse paraître, le président français Emmanuel Macron lui-même avait fait le déplacement au Qatar pour assister à la victoire de l'équipe de France. Comme nous le savions tous et toutes, la fin de parcours du Royaume au Qatar a suscité un grand intérêt de la part des médias, en particulier en Afrique. Tous les pronostics étaient contre le Maroc, mais la glorieuse équipe a renversé les préjugés en montrant de quoi elle était capable. Plusieurs États ont soutenu les Lions de l'Atlas. La Tunisie ou l'Égypte et même jusqu'en Algérie, qui n'entretiennent pas des liens amicaux avec ses voisins. Le Maroc écrit une page d'histoire fantastique, écrit de son côté la Gazeta, estimant que le succès des hommes de Walid Regragui, auteur d'un parcours hors norme, a été bien mérité. Nous avons failli oublier. Cette dernière semaine, le Maroc a battu le Brésil, première au monde d'après le classement FIFA, 2-1, et est officiellement candidat à l'organisation de la Coupe du Monde de football 2030 en compagnie de l'Espagne et du Portugal. Hé, hey, quelle ironie, vous ne trouvez pas? Comme quoi tout peut arriver de nos jours. Un grand merci à Jade et Zied pour leur intervention très patriote, qui nous a rappelé l'incroyable ascension de l'équipe nationale marocaine lors de la dernière Coupe du Monde de football. Et après nous être entraînés à parler comme à la radio, nous avons voulu voir de plus près à quoi ressemblait une véritable station. Alia, je te laisse en parler. D'accord Khaled, alors nous avons eu l'opportunité de visiter la célèbre Hit Radio que des milliers d'auditeurs écoutent chaque jour à travers tout le Maroc. Comment s'est déroulée notre visite? Qu'avons-nous découvert sur cette radio emblématique? C'est ce que June, Mariam et Louisa vont vous faire découvrir tout de suite. Restez donc à l'écoute. Merci Khaled et Alia. Ce que vous venez d'entendre, c'est le jingle de Hit Radio, une radio très populaire au Maroc, que la classe média a eu la chance de visiter. Pour en parler, je reçois Louisa, qui va nous raconter cette expérience. Bonjour Louisa. Tout d'abord, je disais que cette radio est très écoutée au Maroc. Peux-tu la présenter à nos auditeurs qui ne la connaîtraient pas? Bonjour Mariam. Alors Hit Radio, c'est une radio qui est aimée au Maroc et dans de nombreux pays d'Afrique. Ici, elle est très populaire. Nous, c'est la radio qu'on écoute le plus parce qu'elle diffuse principalement de la musique qu'on aime. Une radio musicale, donc. Est-ce tout ce qui explique son succès? Non, c'est aussi une radio avec des émissions de divertissement, un peu d'actualité. Mais ce qui a fait sa différence, c'est que ça a été la première radio à s'exprimer en Darija, l'arabe de la rue, celui que les Marocains parlent vraiment. Idaat Hit Radio. Rabat Sla, El Mouja, 99.8. 99.8. Hit Radio dans le monde entier. Et donc, le 19 janvier dernier, la classe média de 3e de Balzac a eu la chance de la visiter. Tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Alors d'abord, on est parti en bus de Kinitra pour Rabat. On a été assez surpris en arrivant parce qu'on n'était pas du tout dans un quartier d'affaires, mais plutôt résidentiel. Le siège de Hit Radio, c'est une grande villa blanche dans un jardin. En fait, si on n'avait pas vu toutes leurs voitures rouges avec leur logo garé devant, on n'aurait pas su qu'on est arrivé. Ah, ce n'est pas ce que vous imaginiez pour des bureaux d'une entreprise alors? Non, et cette impression a continué à l'intérieur. Ce sont des espaces clairs, avec des grandes fenêtres sur le jardin, une jolie déco, les gens circulent librement, il y a même des chats qui se baladent et la radio est diffusée dans tous les locaux. Arrivé sur place, qui avez-vous rencontré? La première personne, c'était la chargée de communication. Elle est très sympa. Elle nous a expliqué son parcours. D'ailleurs, c'est une ancienne de Descartes, notre futur lycée. Elle nous a aussi parlé de son travail, de la façon dont Hit Radio se fait connaître et séduit son public.
Quelle cible? C'est le 1134. Voilà, donc vous êtes pile dans la cible. Ensuite, on a rencontré le responsable des ressources humaines qui nous a expliqué qu'il recrute des gens avec des profils variés parce qu'il y a toutes les matières dans une radio, des techniciens, des administratifs, l'accueil, le commercial. Ok, ça c'est comme dans toutes les entreprises, mais des professionnels de radio, vous en avez rencontré quand même? Oui, d'abord on a vu Bob, c'est le programmateur, c'est lui qui décide quelle musique passe, dans quel ordre et dans quel pays. Il nous l'a montré sur son écran. On voyait ce qui a été diffusé en direct à Rabat, à Abidjan ou à Ouagadougou. Il y a toutes les radios affichées. On peut les écouter, il y a un programme différent qui se ressemble forcément. Donc l'habillage, ce qu'on dit habillage, normalement vous devrez commencer par en bas. Vous allez voir les studios. Parce que ça n'est pas la même chose partout. Non, ils diffusent bien sûr des hits internationaux, mais aussi des artistes locaux diffusés spécialement dans chaque pays. Ils doivent être très à l'écoute des modes et des goûts de leur public. Et vous avez pu voir les studios? Oui, il fallait être bien silencieux. On a vu DJ Baya, c'est un DJ très connu au Maroc. Il était à sa table de mixage quand on est passé. Ça, c'est déjà bien. Mais enfin, dis-moi, le célèbre Momo, l'animateur star, celui qui tient l'antenne tous les matins pendant plusieurs heures avec Morning Show, vous l'avez vu? Oui, on a fait mieux que le voir. On lui a parlé. Il nous a donné des conseils de pro, comment prendre soin de notre voix. Il nous a dit de beaucoup nous entraîner. Il fallait imaginer le public en face de soi pour lui parler. Et alors, est-ce qu'il est aussi sympa qu'il en donne la pression quand on l'écoute? Oui, vraiment. Il était souriant, pas du tout la grosse tête. Il nous a proposé de partager son petit déjeuner et il nous a fait une petite dédicace. Salam, mais à Komomo, quand c'est la classe média de Balzac, bon courage, faites la radio, faites les médias, faites les réseaux sociaux, à fond, à fond, à fond, et soyez passionnés au maximum. Cool. Et dis-moi, j'ai entendu parler d'un moment un peu inattendu pendant cette visite. Oui. Quand on était avec Momo, un de nos camarades a eu le courage de lui dire qu'il rêvait d'être animateur et qu'il pratiquait déjà un peu chez lui. Pour des copains, alors Momo lui a carrément dit qu'il pouvait rester en contact, envoyer ses propositions et si c'était bien, il lui raccorderait un petit bout d'antenne. Waouh, alors, qu'est-ce que ça devient? Eh bien pour le moment, Alamine se prépare et on attend tous le jour où il passera sur Etagero. Donc, en conclusion, la découverte d'une radio populaire, un échange avec la star des ondes et bientôt la gloire pour un camarade. C'est une bonne journée pour vous. Oui, c'était vraiment une très bonne journée. On est même reparti avec des petits cadeaux au nom de Hit Radio. 100% Hit, Hit Radio. Merci Myriam pour cette interview de Louisa. Avec Juno Montage. Qui nous remet dans l'ambiance de cette joyeuse sortie à Hit Radio. Personnellement, j'ai adoré cette expérience, n'est-ce pas, Alia? Oui, c'était une sacrée expérience. Ce n'est pas tous les jours que l'on peut visiter ce genre d'endroit. Mais assez parlé du passé. Dans cette deuxième partie, nous allons davantage nous attacher à notre avenir. Et pour cela, notre équipe a réalisé une enquête s'intitulant « Nos rêves, nos espoirs ». Radio Balzac. Tout d'abord, nous avons mené nos investigations au plus proche, chez nos camarades de 3e, une enquête conduite par Hafsa et Mariam. Merci Alia et Khaled. Je m'appelle Mariam et avec ma camarade Hafsa, nous sommes partis à la rencontre de nos camarades de classe de 3e à Balzac. En effet, nous terminons un cycle, nous tournons une page. Mais qu'est-ce qui nous attend ensuite? Pour nous, c'est le grand saut. Nous quittons notre petite ville de Kenitra, notre cocon familial. On se dirige vers la grande capitale Rabat. Tant de nouveautés nous attend, le grand lycée Descartes nous attend. Alors, nous vous laissons avec un micro-trottoir afin de découvrir les rêves, espoirs et craintes pour l'année prochaine des élèves de 3e. Peu importe la mention que j'ai au brevet, tant que j'ai une mention pour vrai, je serai quand même plutôt contente. J'ai pas très peur du brevet actuellement, donc j'essaie d'avoir la meilleure note, donc un très bien, donc 18+. Franchement, moi... J'en ai aucune idée pour l'instant, pour cette année, c'est déjà d'avoir mention très bien au brevet. Pour cette année, je voudrais avoir le brevet avec mention bien ou très bien. Et comme ça, je puisse aller en seconde générale à Descartes. Et partir en seconde générale et technologie à Descartes. J'ai peu peur de prendre la navette car se réveiller super tôt tous les matins et rentrer chez soi super tard, ça a l'air plutôt stressant. Et mes craintes par rapport aux années à venir, c'est la navette, le fait de me réveiller très tôt le matin vers 5h du matin et revenir très tard le soir m'inquiète beaucoup.
J'ai pas très peur de faire la navette, surtout que je vais faire juste pendant un an. Et pendant les autres années, bah, je crois que je vais m'installer à Rabat. Pour Descartes, moi franchement, je pense que je vais pas faire la navette et que je vais plutôt louer à Rabat, un truc comme ça. Mais aussi le fait de ne pas m'intégrer au lycée Descartes m'inquiète. J'aimerais surtout ne pas être toute seule dans une classe de seconde. Les options, j'aimerais bien choisir art. Dans ma vie professionnelle, j'aimerais bien faire les Beaux-Arts de Paris. Ou, second choix, de devenir pilote. Plus tard, j'aimerais aussi devenir architecte. Et pour les années à venir, après pour mes études et tout, ça reste à voir, mais j'aimerais faire des études d'astronomie aux États-Unis. Merci. Pour mes études, je ne sais pas vraiment ce que je voudrais faire, mais dans ma tête, pour l'instant, je voudrais bien faire architecte d'extérieur, architecture de bâtiment, et partir vivre aux États-Unis. Merci à tous nos camarades qui nous ont livré leurs ressentis. Beaucoup de rêves et d'espoir, en effet, mais aussi quelques craintes. La navette, le grand lycée Descartes, est-ce si terrible que ça? Pour le savoir, nous avons poursuivi notre enquête auprès de quelques élèves de seconde. Être un Balsacien à Descartes, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien? Pour vous éclairer, nous vous proposons un reportage réalisé avec la complicité de Sarah et Dina, élèves de seconde, ainsi que notre camarade de classe média de 4e, Rania. Parce que quand on est un Balsacien à Descartes, il faut se lever très tôt. 5h30, je viens de me réveiller. Se préparer rapidement. Il est 6h05 et je vais m'habiller. Sortir de chez soi, même quand il fait froid, même quand c'est la nuit noire. Et surtout, ne jamais rater le bus, car les billets de train, wallah, c'est cher. Il est 6h35 et je vais être en retard pour le bus. Et c'est parti pour une longue journée. Une heure plus tard, c'est l'ouverture du lycée Descartes. Il est 8h. Cette fois, plus le choix. Il faut vraiment se réveiller. La journée annonce son lot de cours successifs, d'évaluations, d'inquiétudes. Bref, le paquet. Quoi tes pronostics? Non, je ne l'aime pas. 15, si elle est gentille. Et ce, jusqu'à l'heure du retour de la navette, qui quittera pas à 18h pour une arrivée à Kenitra 1h30 plus tard, toujours dans la nuit froide. Maintenant, il va falloir sûrement dîner et encore faire ses devoirs. Voilà, c'était une journée de cours avec moi. Bon, après, le retour dans le bus, c'était la même chose. Tout cela nous paraît bien difficile, mais voyons ce qu'en disent nos anciens Balsaciens actuellement en seconde à Descartes. Alors c'est vrai que le passage en seconde, il n'est pas ce qu'on croit. Il y a une grande différence quand on est passé à Descartes, parce que c'est un grand établissement, donc les profs nous connaissent forcément un peu moins. Il y aura des différences d'entourage, parce que les personnes que tu auras et le confort, je vais dire, de Balzac, c'est pas la même chose que la navette et l'entourage de Descartes. Ça peut pas être si terrible que ça. Lycée Descartes, il est formidable. Ah, heureusement que les anciens Balsaciens gardent le cap dans la joie et la bonne humeur. Formidable, formidable, mais encore. Alors, le passage en seconde s'est très bien passé. On a bien été accompagnés par les professeurs de seconde. Voilà de quoi nous rassurer. Au final, nous savons tous que cela va bien se passer. C'était Anas et Hafsa pour un reportage intitulant « Un Balsacien à Descartes ». Un merci à tous nos camarades secondes à Descartes pour leur contribution à ce reportage qui nous éclaire et nous rassure sur notre avenir proche. Mais si l'on se projette encore plus loin, à quoi pouvons-nous nous attendre dans la vie active? Effectivement, que seront devenus nos rêves et nos espoirs dans quelques années? Nous allons découvrir des lycées, des études ou encore des choix d'orientation. Notre enquête s'achève auprès d'anciens élèves du lycée, étudiants ou déjà dans la vie active. Qu'ont-ils à nous dire? Écoutez. L'info des Balsaciens.
Bonjour, je m'appelle Lamia Laknichi. Je m'appelle Marwa Pouabed. Et avant la troisième, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire. En troisième, je voulais faire médecine. De la troisième à la terminale, en fait, je penchais vers des études de droit ou des études de commerce sans vraiment savoir ce que je voulais faire. Et vu que j'avais de bonnes notes dans les matières scientifiques, je me suis donc orientée vers une filiale scientifique, S. Et la seule raison pour laquelle j'ai fini par choisir une filière scientifique au lycée, c'est parce que j'avais peur de d'éliminer certaines de mes options. Et après mon bac, j'ai fait des études d'ingénieur en génie industriel, donc des études assez généralistes. Aujourd'hui, je suis en dernière année de bachelor en informatique et en mathématiques. Je travaille en tant que chef de projet en système d'information. Je travaille dans le secteur du luxe en tant que chef de produit. Donc j'ai travaillé dans différents domaines, l'énergie, l'hôtellerie et le transport. Merci à Hafsa Rahma et aux intervenantes de cette interview qui nous ont dévoilé leurs souvenirs de collégiens ou lycéens et ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. On voit bien ici la différence entre l'imaginaire et la réalité, même s'il y a des personnes qui ont réussi à devenir ce qu'elles rêvaient d'être quand elles étaient au collège. Peut-être que dans 5 ou 10 ans, des élèves de 3e nous intervieweront sur notre propre métier de rêve de collégien et nous verrons si nous l'avons réalisé ou non. Seul l'avenir nous le dira. En attendant, il nous reste quelques mois pour profiter de notre environnement familier au collège Balzac, de nos professeurs, nos amis, ces couloirs que nous connaissons comme notre poche, les intercours musicaux. Pour vous donner un aperçu de cette ambiance, nous vous invitons à écouter quelques sons de notre quotidien balzacien avec cette carte postale sonore réalisée par Ryan Z. Bonne écoute. Bonjour. Allô. Je me casse la tête. Ouais, vraiment. Hola. Hello, teacher. Merci d'avoir suivi Radio Balzac. Bonne soirée ou bonne journée selon l'heure qu'il est chez vous. Au revoir et à bientôt. Radio Balzac.